Allô? Oui, je vous ai promis que j'allais faire une vidéo prochainement avec vous. Alors, je suis déjà venu ici, hein, vous vous rappelez, hein, cette eau transparente. Bien, on y est. Aujourd'hui, pour tous ceux qui regardent cette chaîne juste pour parler de perroquet, on va y aller tout de suite et après, comme ça, on pourra faire ce qu'on veut. J'avais envie de vous expliquer quelque chose. J'ai quelqu'un qui m'a dit que son perroquet avait de la fièvre et qu'il me demandait s'il pouvait lui donner du Doliprane. Alors, vous savez, je reçois de très nombreux messages sur Messenger. Je les regarde vite fait pour voir s'il y a des urgences. Et là, tout de suite, je saute sur mon clavier pour lui dire surtout pas, on donne pas de Doliprane à un oiseau, vous voulez le tuer, quoi. Vous savez que le Doliprane, si vous prenez un Doliprane tous les jours pendant une année, ça peut suffire pour vous tuer. Alors un perroquet, vous imaginez bien quelle dose vous allez lui donner. On ne donne jamais de Doliprane à un perroquet. Ouais, je répète, hein, on ne donne jamais de Doliprane à un perroquet. Et un perroquet, surtout, savoir une chose, c'est qu'un perroquet n'a pas de fièvre. C'est pas parce que votre oiseau est chaud, qu'il a le corps chaud, qu'il a de la fièvre. Okay? Ce n'est pas comme les humains. D'accord? Donc on oublie, le perroquet n'a jamais, jamais de fièvre. On ne prend pas la température d'un perroquet d'ailleurs. Si vous avez l'habitude, ou si vous avez déjà été chez un vétérinaire, vous verrez bien qu'on ne vous prend pas la température de votre perroquet. Parce que ce n'est pas un signal, ce n'est pas un élément intéressant. Donc voilà. Je vous avais dit que je ne faisais pas trop de vidéos parce que. Je ne faisais pas trop de vidéos parce que j'étais plus avec Jackson et que quand on s'en est nous, c'est beaucoup moins drôle. Je me suis pris une belle là. Et vous m'avez demandé d'en faire quand même, si je pouvais faire des vidéos sans Jackson. Alors voilà, j'ai dit oui, ok, d'accord, je vais en faire. Regardez, moi j'adore cet endroit, hein, c'est la pointe Vénus. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de monde parce qu'aujourd'hui, on est le 5 mars et que le 5 mars, c'est la journée de l'arrivée de l'évangile, en fait l'arrivée de l'évangile. Dans les années 1000, je pense 1700 quelque chose, dans ces eaux-là, la religion est arrivée sur la Polynésie. Et voilà, on veut fêter ça. Ça tombe bien, moi ça me donne un jour de congé, mais ce n'est pas un vrai congé, puisque vous imaginez bien que même en congé, on travaille. On se fait des. Au contraire, on rattrape. Un boulot qu'on ne veut pas faire le dimanche, par exemple, on le fait aujourd'hui. Et j'ai décidé de venir prendre un petit peu de soleil parce qu'hier j'ai fait une rencontre assez exceptionnelle que je vous ai mis en vidéo. Là aussi, il n'y a pas de perroquet, mais sur ma chaîne, c'est multitaskman, donc c'est multitâche, on peut voir un peu de tout, on peut parler de tout. Eh bien, j'étais avec Camille Lelouch. Camille Lelouch, connue en France, bien sûr, tout le monde connaît Camille Lelouch. Humoriste, tendre, adorable, une artiste complète. D'ailleurs, elle nous a offert une exclusivité à la radio hier, donc comme c'est une exclusivité de la radio, je ne peux pas vous en parler ici, mais vous allez pouvoir le voir sur la vidéo que j'ai faite de notre interview. Parce que oui, on a affaire à une chanteuse, pianiste, actrice, hein. Elle a joué au cinéma, elle a déjà monté elle a déjà monté les marches du Festival de Cannes. Et donc, c'est pour ça que je voulais absolument bronzer un petit peu, parce que j'ai trouvé qu'elle était plus bronzée que moi, alors qu'elle arrivait de Paris, que moi, ça fait 3 mois que je suis à Tahiti. Vous imaginez un petit peu? Ah. Alors voilà, j'ai décidé de prendre des couleurs et de partager ça avec toi. Oui, j'essaie, je vais faire la photo sous-marine. Oui, je sais, c'est un kiff ça, j'adore ça, faire des images sous l'eau, comme je faisais dans ma piscine à Terrebonne, à Montréal. Sauf que là, c'est dans la mer, alors tu te dis, ouais, mais ça va pas être aussi transparent que dans l'eau de la piscine. Et bien si, tu vois, regarde. Avec ça? Très bien. Voilà, comme ça moi, t'es au courant.
Là, on a pas mal de petites vagues et de petits surfeurs prêts à attendre la vague. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu de monde aujourd'hui. Hein. Waouh! Un peu de monde à la pointe Vénus. Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo de la pointe Vénus, le sable, c'est du sable noir. Hein, vous avez Tahiti, c'est une île volcanique. Hein, vous voyez, c'est une montagne, une île haute. Comme Moorea là-bas au fond de l'image, cette île, c'est l'île sœur de Tahiti, Moorea, encore au fond, une île haute. Et autour de ces îles, vous avez des endroits où c'est de la roche volcanique qui avec l'érosion, est devenue des plages de sable. Et ici, si vous regardez bien, vous avez la barrière de corail blanche. Puis là, devant moi, vous avez un panneau, un poteau. Et ensuite, c'est le large, c'est le grand océan. Vous avez une passe, ce qui veut dire que l'eau arrive directement pour venir s'écraser sur l'île. Et donc, ça crée cette érosion. Et voilà. Donc oui, très très belle rencontre, ça a été un coup de foudre artistique. Parce que voilà, il y a eu un déclic et puis on a dit au début de l'ITV, voilà, on se rendait mutuellement un immense respect, de la bienveillance et tout, donc c'était une très très belle rencontre. J'ai fait aussi, juste avant, j'avais fait 2 heures d'interview beaucoup plus compliquées avec quelqu'un que je connais de longue date. Et qui a malheureusement est passé à travers d'erreurs médicales pour réparer un cancer, hein, une petite boule qu'il avait sous l'oreille, un cancer extrêmement agressif. Très peu de gens ont réussi à passer à travers. Et bien, on lui a ouvert le crâne, plusieurs aircraft derrière le crâne, et erreur médicale, on a touché au nerf facial, enfin bref. Des dizaines et des dizaines, alors il a vu plus de 132 greffes en tout pour essayer de réparer le problème avec de la chirurgie faciale, esthétique. Enfin bref, c'est énorme. J'ai lu son livre, 400 pages d'histoire où on nous explique à quel point les hôpitaux, les services de la banque, la CPS, la caisse de prévoyance sociale, qu'on cotise, hein, toute notre vie on cotise tous. Pour avoir un non-service. Hein. Au moment où vous êtes malade, vous vous rendez compte qu'il n'y a personne pour vous servir. Vous êtes juste un DN avec des anecdotes du genre il peut effectivement aller se faire soigner en France, ça sera remboursé, mais on ne prendra pas le billet à la charge. Ouais, c'est ce genre de truc débile, quoi, un truc impensable. Et après, bien sûr, arrive tout un cheminement judiciaire. Et là encore, la justice, si elle existe, enfin bref, à l'occasion, si vous avez l'occasion d'aller chercher ça sur internet, vous pouvez aller sur la page de mon émission de radio, hein, que vous connaissez maintenant, sur Multitascope, je vous en ai déjà parlé, Béni soit-il, et vous pourrez aller copier le lien pour aller lire son bouquin, parce qu'il donne beaucoup de conseils justement aux gens qui sont touchés de près ou de loin, hein, parce que des fois c'est son père, sa mère, ses enfants qui sont touchés par... l'erreur médicale, et ça peut peut-être en aider un bon petit paquet. Je vous dis, ici, là, il fait un soleil splendide. Il est midi et demi, donc normalement, c'est pas une bonne idée, hein, d'aller à la mer quand le soleil est à son zénith. Mais voilà, je pense que je suis trop, trop blanc. Il faut absolument que je prenne un peu de soleil. C'est vrai qu'on vous met 10 ans au Canada en disant « Oh, je rêve d'aller à la mer, oh, je rêve !» de pouvoir me baigner. En plus, c'est très très bon pour dégager les sinus, les voies aériennes, prendre une bonne dose de vitamine D et de vitamine E, parce qu'on est comme nos perroquets, nous aussi on a besoin, hein, de calcium, on a besoin de ces vitamines D et E qui vont nous permettre de synthétiser tout ce calcium. Et bien, je peux vous dire que ça fait un bien fou d'être ici. Ça fait 3 mois que je suis arrivé, je travaille comme un fou furieux et je ne prends pas le temps de profiter de ce qui me manquait le plus lorsque j'étais au Canada.
la mer, le soleil. Mais c'est pas facile quand on est seul, hein. Parce qu'il faut pas laisser mes affaires comme ça sur le bord de la plage. On sait jamais. Alors du coup, il faut attendre que quelqu'un veuille bien m'accompagner. Et heureusement que j'ai la maman de Sandrine. La belle maman qui a bien voulu, encore une fois, m'amener ici avec elle. Et c'est elle qui garde mes affaires tranquillement sur la plage pour que je puisse profiter de cette eau qui devrait être à peu près, je vous dirais, j'ai peur de me tromper, mais on doit être à peu près à 27-28 degrés. Ouais, ça c'est froid. Moi j'ai trop froid. Ouais. Si Bisoul avait été là, dire ah, je grelotte. Ouais. Ben oui, vous allez faire Bisoul, je suis Bisoul, elle vient quand elle veut, elle sort de mon corps quand elle veut. Hein? Wow. Ah, vous voyez là, c'est vraiment réunion familiale, on s'amuse, on s'éclate. L'eau est tellement claire, regardez tout. On a une eau transparente, Et même si le sable, c'est du sable noir, on arrive quand même à voir parfaitement. Regardez ça. C'est tout simplement fantastique de se retrouver ici. C'est que je ne sais pas encore une fois, parce que comme j'utilise cette caméra pour différents montages et tournages, lorsque je mets le boîtier étanche, c'est toujours au bout de quelques minutes de tournage que je dis merde, est-ce que j'ai mis l'option boîtier étanche pour que le micro puisse être un peu plus sensible et qu'on puisse entendre ce que je raconte. Non, voilà, c'est possible que j'ai parlé tout seul. Hein? Ce qui d'ailleurs a la vraie vérité. Parce que quand on est youtubeur, on parle tout seul. Oui, avec une caméra. Et puis, on t'imagine que t'es derrière, quoi. Et toi, là. Toi. Mais on est tout seul. Là, les gens, ils me regardent. Il y a des mecs qui parlent tout seul avec un truc dans la main. Voilà, et c'est ça, un youtubeur. Mais quand tu parles tout seul, tu sais que derrière, il va y avoir toi. Si ça fonctionne, si tu as bien enregistré, si tu as bien mis le micro comme il faut, ouais. Là tu dis, si ce n'est pas le cas, et ben, on va aller dans le monde du silence. J'arrive même pas à me noyer. L'eau est tellement salée. Et puis flotte. Je devrais pouvoir, non. Il faut lâcher tout ça. On va y aller. Attention. On marche pas. On n'arrive pas à descendre. On va y aller dans l'autre sens. Parce que j'ai des poumons trop gros. Attention, on va essayer d'y aller, on va plonger. D'accord. 1, 2, 3, nous allons plonger. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Non, j'arrive pas à aller jusqu'au fond. Qu'est-ce que je dis? Dans les oreilles, parce que si vous vous rappelez, dans une vidéo j'étais en plongée avec mon père à Bora Bora et j'avais fait il y a un an, hein, c'était en début d'année, là, c'était à peu près dans cette période, hein. J'avais été à Bora Bora et j'avais fait euh,
Je m'étais déchiré le tympan. L'eau de mer était rentrée dans l'oreille interne et pendant 3-4 mois j'avais une surdité sévère. Il ne me restait que 10% d'audition. Vous comprenez bien que quand on travaille avec un casque sur les oreilles, on a intérêt d'avoir une bonne oreille pour pouvoir entendre tout ce qu'on raconte comme conneries. J'en dis des fois. Hein. T'as envie d'aller un peu dans la mer? Tu vas aller dans la mer, gars. Ouais. Regardez, il y en a une qui arrive, il y en a une qui arrive. Regardez ça là. Wow. Bon ben voilà, j'avais envie de partager un petit moment avec toi. Te souhaiter un superbe week-end. Cette vidéo va sortir certainement, je pense qu'en France, vous allez être vendredi dans la journée. Donc voilà, je vais te souhaiter un très très bon week-end hein, pour ceux qui regardent la vidéo en premier. Et puis après, pour tous les autres, ben, c'est ma façon à moi de vous dire que je pense à toi. Que je pense à toi, ben, ouais, de te dire que je pense à toi. Que Jackson, bien sûr qu'elle me manque, Jackson. C'est inutile de se poser la question. Les gens me demandent comment ça va, c'est pas trop dur. Ben si, c'est très très dur, mais... Si je commence à parler que de ça, dans 2 semaines, j'ai plus personne. Hein, c'est pas intéressant, donc je préfère ne rien faire, pas faire de vidéos. Ça va pas bien. Mais aujourd'hui, tu vois, là, j'étais en route avec Sandrine. Elle m'a accompagné jusqu'à dans le parking. Et puis, maintenant, je suis avec toi. Tu vois, on peut le faire. Et tout ce que je souhaite, c'est que lorsque Jackson sera à Tahiti, ben, qu'on puisse faire exactement la même chose. Avec Jackson sur l'épaule, pour pouvoir te montrer à quel point elle est bien dans mon île de Tahiti. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il fait bon, je vous jure qu'il fait super bien. Ça sera pas beaucoup pour bronzer, hein. Mais normalement, vous savez, il faut pas longtemps, hein. C'est souvent, on sent rien, là. Toi, là, tout est beau. C'est l'eau qui fait que tu brûles pas, quoi. Mais tu es en train de prendre du soleil, y compris dans l'eau. Parce qu'avec avec l'eau, justement, qui est tellement claire, regardez comme elle est claire, cette eau. Tellement claire. Et bien avec cette eau, ça fait loupe. Donc même la partie de ton corps qui va être dans l'eau, elle va quand même prendre du soleil. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants me gardent un t-shirt sur le dos pour éviter d'avoir des coups de soleil. C'est pour ça que tu gardes le t-shirt, c'est pour ne pas avoir des coups de soleil. Hein? Quand on a un t-shirt, au moins le soleil il brûle pas. Dis bonjour. Il y a 20 000 personnes qui regardent. C'est une chaîne YouTube. Dis bonjour. Yorana. Bonjour. Et voilà, comment tu t'appelles? Ari. Ari. Oh, faut se méfier. Hein? Parce que Ari, ça veut dire roi. Ah oui, c'est un roi ou un prince? Ari, hein, c'est le roi. Hein? C'est cela. Ah ouais, on a un futur roi là. Ça se respecte ça. Merci Ari. Bonne journée. Voilà, sur YouTube. Ali, il est dans l'image. Je vous souhaite une super belle fin de journée, un bon week-end, un bon petit café, un bon petit souper, un bon petit ce que tu veux. J'aimerais faire un gros, gros, gros bisou à mon frère Marc-Éric Vincent du Québec. Marc-Éric Vincent qui fête ses 51 ans aujourd'hui. Donc c'est là-dessus que je voulais absolument terminer cette vidéo. Comme ça, je vais vérifier s'il regarde les vidéos jusqu'à la fin. Tu vois. Hein, mon Marc-Éric? Hein, ma petite Martine? Donc, on va la faire à la québécoise. Mon cher Marc-Éric, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Cher Marc-Éric, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Voilà, joyeux anniversaire, Marc-Éric. Voilà une petite carte postale pour ton anniversaire. Pour te dire que même loin, loin, loin de ton pays glacial, loin de la neige, eh ben je pense à toi. Bisous frangin. Bye bye.